350 demandeurs d'asile ou réfugiés tibétains sont installés sur un terrain face à la déchetterie d'Acher, dans les Yvelines. Les premiers sont arrivés depuis le printemps 2018. L'OFPRA accorde le statut de réfugié à tous les Tibétains qui entrent en France via l'Inde ou le Népal. Compte tenu de la répression très forte dans leur pays, ils arrivent ici en dépit des conditions déplorables d'accueil. Sous la pluie, le vent, dans la boue, les personnes vivent dans l'humidité permanente. Les rats sillonnent le camp jour et nuit. Ni point d'eau, ni toilette, les campeurs vont remplir leurs bidons à la fontaine sur les quais de Conflans, de l'autre côté de la Seine. Ils connaissent le chemin du bateau Jeusserre, où ils vont prendre une douche et laver leurs vêtements. Certains y prennent leur repas, dans la limite des places disponibles, sans couvert, midi et soir, et une cinquantaine au petit déjeuner. Un petit feu leur permet de se réchauffer, de cuisiner et de boire leur fameux thé. Nombreux sont ceux et celles qui participent aux cours de français, donnés par des bénévoles. Yangzom rêve de parler bien le français pour aider les nouveaux arrivants dans leur démarche. Pour cela, elle prend des cours matin et après-midi. L'accueil de jour mis en place par la Pierre Blanche ne reçoit pas de subvention pour sa permanence administrative, sa passerelle santé, la distribution alimentaire, les cours de français aux primo-arrivants, la domiciliation, une adresse qui leur permettra de mettre en place l'accès à leurs droits. Ces services ne peuvent exister que par votre soutien financier et l'action des bénévoles et de quelques salariés. Vous pouvez envoyer vos dons en ligne à www.lapierreblanche.org. Si on met de l'eau et des toilettes, ça va rester le maire, les... Plusieurs collectifs se réunissent pour rechercher avec les pouvoirs publics des solutions d'hébergement, assurant la mise à l'abri, la sécurité et la santé des personnes. Venez rejoindre l'association en écrivant à contact@lapierreblanche.org. Nous avons besoin de vous. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo à tous vos contacts.